Ib semble comme un coulis sur un tapis vert, une rare nature que le printemps l'habitude d'une verdure permanente tout au long de l'année. Ses montagnes telles que ses plaines, elle porte un costume de beauté captivante qui borde ses roches et les fissures de ses pierres, pour que Ib apparaisse en belle robe de taffetas qui n'a pas de semblable. Que la nature soit belle ici, ainsi que l'histoire. Ib est l'un des gouvernants yéménites le plus diversifié dans son produit touristique et environnemental superbe, et par son style architectural et archéologique unique. Au sein de cette verdure naturelle, des civilisations ont été établies. En faisant une promenade dans sa belle terre, votre cœur palpitera avec ses brises, avec les branches de ses arbres et avec les chants des oiseaux et le divertissement de ses papillons sur la fleur de la place qui, embellie par l'éternité de la verdure, prospère. C'est Ib, où se trouve la vallée d'Al-Jannat, la montagne d'Urabi, la vallée de Bana et la vallée d'Ad-Dour. Ib se situe à 193 km au sud de la capitale Sanaa. Ces arrondissements sont de nombreuses stations touristiques et un transit pour les passagers qui s'agenouillent sur l'ombre de son ciel, à la suite de la fatigue de leur voyage, qui leur donne une effusion de dynamisme et d'activité. Ces facteurs naturels et ces conditions climatiques ont donné à l'homme les motifs de la stabilité et la splendeur de la vie. De émane le charme de la nature, ainsi de la beauté de ses sites et ses monuments, brille la gloire de l'histoire. Ib se présente comme une symphonie douce où la nature joue sur ses cordes la pile littérale de la planète, de la pluie, de la verdure et de la beauté. Parmi ces vallées les plus célèbres, on trouve la vallée de Bana, la vallée d'Al-Anna et la vallée d'Al-Jannat. Quant à l'ancienne ville d'Ib, la ville de Zafar et la ville de Jibla sont des villes yéménites les plus antiques. De même, la montagne de Somara et la montagne de Bardan y sont les plus célèbres à Ib. D'ailleurs, le fort d'Ohab et celui d'Atakour sont deux des plus belles et plus grandes forteresses et citadelles archéologiques à Ib. L'eau douce d'Ib jaillit de source permanente, où la ville d'Ib scintille avec les grains de café de la région d'Al-Udayn, les terrasses cultivées et les fenêtres des villages suspendues sur les hauts sommets. Tout ce qui s'y trouve à Ib, c'est vraiment le charme lui-même. Chacun de ces arrondissements dispose d'une rare nature et une richesse naturelle. Il se présente comme un livre ouvert sur le beau rêve et la beauté éternelle.